Dans les meilleurs des cas, la fiction cultive la fantaisie et la compassion. Dans le pire des cas, les mémoires provoquent la schadenfreude et la luxure. L'horrible vérité, je le crains, est que de nombreuses personnes sont attirées par les mémoires sensationnelles pour la même raison qu'elles regardent l'émission de télé-réalité The Apprentice. Elles aiment être témoignes d'une souffrance réelle, d'une humiliation sous leurs yeux. Julia Glass. Cette horrible vérité peut être motivée par le fait que quelqu'un ne veut pas se sentir seul dans la honte et l'humiliation. Le plaisir vicariant que l'on tire du malheur d'autrui révèle souvent une tentative d'atténuer sa propre honte. Bien que cette pratique douteuse puisse apporter un soulagement temporaire, son bénéfice n'est pas durable. Un mot bienveillant peut mettre fin au cycle de la honte et de la souffrance.